Bienvenue dans la survie pour les nuls, le vidéogramme de sensibilisation aux consignes de sécurité en cas de catastrophe naturelle et technologique. Ce programme s'adresse à tous ceux qui ne savent plus rien faire de leurs 10 doigts sans être constamment assistés par le confort moderne, en gros, moi et vous. Sachez que la survie est bien souvent une histoire d'information. Mais dans certains cas, ça ne se passe pas toujours franchement bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment ne pas rester un ermite trop longtemps, surtout quand plus rien ne fonctionne. Prenez ce spécimen standard. Normalement constitué, il est comme n'importe lequel d'entre nous, surconnecté et très largement surinformé, il est normal. Donc là, on se trouve sensiblement dans la même situation que l'autre fois. Vigilance rouge, torrent dans les rues, etc. Maintenant, observons quelques probables réactions courantes. Théo a chié. Méante. Génial. Ça. Pareil. Super. Non, 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 non. Oh putain. Tant de merde. Tant de merde. Internet pourri. Génial. Super. Génial. Merde! Génial. Super. Dis donc, j'ai dit quoi sur le téléphone l'autre fois? Oui, bah ben, ça va, hein. De toute façon, j'ai pas de réseau, alors. Facile, hein? Comment s'informer en temps réel, sans internet, sans télé, sans téléphone? Car, il faut bien l'admettre, nous sommes tellement bien connectés qu'il nous semble même impensable de revenir aux choses simples quand la situation l'exige. Alors qu'en fait... Puis nous revenons sur cette situation très préoccupante en ce moment, il pleut. Eh bien, dans ces cas-là, il n'y a rien de plus fiable qu'une bonne radio avec quelques piles. Sachez que les autorités peuvent prendre l'antenne à tout moment sur la radio ou la télé publique en cas de chaos général. La plupart du temps pour informer de l'évolution du foutoir ambiant, ou tout simplement des choses à faire. Sur ce, merci d'avoir suivi ce vidéogramme. Vous êtes tous normalement un petit peu moins nuls, et peut-être que vous survivrez ou permettrez à d'autres de survivre un petit peu plus longtemps, si vous avez des piles. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance...